Bonjour à tous, c'est Fio, on se retrouve aujourd'hui pour le R6 Recap numéro 86. Et tout d'abord, joyeux anniversaire Rainbow Six Siege, puisque vous le savez, on est le 1er décembre et ça fait donc 4 ans que le jeu est sorti. Et on commence tout de suite par une autre news. Vous l'avez peut-être vu cette semaine, c'est je parle de ce qu'il y a juste au-dessus de moi ici. C'est bien évidemment le Colmar eSport Show qui a annoncé proposer un tournoi Rainbow Six Siege pour le début d'année 2020. Ce sera la première LAN de l'année les 18 et 19 janvier, donc au parc des expos de Colmar. 4 000 € de cash prize. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. D'ailleurs, les inscriptions sont à 35 € par personne. Et il y aura une place, il y aura des qualifications qui vont se dérouler, je crois que c'est au mois de décembre, où notamment un slow, le vainqueur de cette qualification aura un slow gratuit pour pouvoir participer à cette LAN. Voilà, c'était la seule information de la semaine et on passe au transfert et on commencera avec les transferts en Amérique du Nord. Et oui, car cette semaine, il y a eu énormément de transferts dans cette région. Nous allons débuter avec une sombre histoire à propos des OB Alliance. Vous savez qu'ils ont réussi à se qualifier pour la Pro League. Et on a appris que Fozo et Abunai étaient écartés de l'équipe. Et il y aurait des tractations actuellement pour recruter ces trois joueurs dans une autre structure. Enfin, les trois autres joueurs. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont séparés de ces deux joueurs. Donc, ils ont parlé notamment... c'est Fozo qui a fait le tweet longueur. D'ailleurs, je vous invite à le lire si vous voulez voir un peu le côté sombre de cette histoire. Où il dit que les Rogues les ont contactés, mais que les Rogues voulaient placer certains de leurs anciens joueurs, effectivement... qui était d'ailleurs toujours leur joueur pour la prochaine saison. Il y a eu des refus, il y a une autre structure aussi qui s'est mise sur les rangs. Bref, tout ça pour dire que ces deux joueurs sont partis. Et chez les Rogues, il reste notamment Izeli et Shuttle, il reste plus que deux joueurs. Donc pourquoi pas potentiellement essayer de voir une sorte de fusion de ces deux équipes ici pour permettre aux Rogues de rester en Pro League la saison prochaine. Bref, c'est un beau merdier cette situation. Sinon, la semaine dernière, je vous avais dit que les Dark Zero avaient peu de probabilité de changer leur line-up. Et je me suis trompé, puisqu'ils ont recruté justement un ancien joueur des Rogues, Eclipse, ici, qui donc prend la place de BC, qui lui va se repositionner en tant que coach, exactement comme au tout début, avant qu'il remplace Pojoman de l'équipe. Donc voilà, du côté des Dark Zero. En revanche, cette fois-ci, l'équipe est au complet comme chez Reciprocity, puisqu'ils ont les deux équipes ont fait les deux changements. Ils ne peuvent pas en faire plus. Du côté des Rogues, la structure perd donc ses membres petit à petit. C'est ce qu'on a vu entre la semaine dernière et ce qu'on est en train de voir ici. C'est aussi le cas de leur coach, l'allemand Reaper, qui recherche une nouvelle équipe, que ce soit dans la zone européenne ou dans la zone nord-américaine, seulement en Pro League. Donc on l'encourage et on l'espère qu'il va pouvoir trouver une équipe, même si ça va être un peu compliqué dans le sens où la plupart des équipes sont déjà au complet au niveau de leur staff. Mais ce n'est pas le seul à quitter la structure, c'est aussi le cas de Slashug qui lui va partir en direction des Luminosity Gaming, l'équipe de Pro League nord-américaine, qui ont décidé de ce fait de se séparer de Thomas. Donc l'équipe des Luminosity se renforce, hâte de voir ce que cela donnera lors de l'OGA Pit qui se déroulera le week-end prochain. Dans les autres équipes d'Amérique du Nord, cela bouge encore pour les LG. En effet, Ranger arrive en tant que coach et Gocha, le coach joueur des teams Solomid, rejoint l'équipe en tant que joueur à la place de Geo. Donc on a encore une fois de plus ici un transfert. Et surtout que du côté de Evil Geniuses, c'est le deuxième joueur historique qui s'en va après notamment Canadian. Donc intéressant ici les choix qu'on fait du côté d'AG, à voir si ça leur portera effectivement ici un plus. Et donc je parlais de nouvel échange, puisqu'effectivement c'est Geo qui va prendre la place de Gocha en termes, lui au niveau de Team Solimid en tant que joueur. Donc à voir ce que donnera ce changement, même si cela signifie finalement que pour Geo qu'il va pouvoir jouer directement le prochain Six Invitational. Puisque l'équipe des TSM a remporté la DreamHack de Montréal et est directement qualifiée pour le Six. Enfin, pour finir avec l'Amérique du Nord, les Two Face, le nouveau promu de Nord-Amérique, d'Amérique du Nord. Donc on trouvait ici une structure et il s'agit de l'équipe Tempo Storm qui arrive sur la scène Rainbow Six Siege pour la première fois. Structure fondée en 2014 et qui a notamment compté de nombreuses équipes dans différents jeux. C'est la première fois sur Rainbow Six Siege, mais ils avaient déjà participé à d'autres FPS,
dans le passé. Voilà, vous avez vu, la scène nord-américaine, elle est en train effectivement d'être bouleversée, de se changer, même si là, je pense qu'on a vu le plus gros de ce shuffle. Et on part maintenant pour les transferts dans le reste du monde, donc dans toutes les autres régions, sauf l'Amérique du Nord. Et on débute avec la France. Une mauvaise nouvelle tout d'abord, c'est la structure GameWorld qui a décidé de ne pas continuer l'aventure avec son équipe qui n'a pas réussi à se maintenir en Challenger League mais qui est toujours qualifiée pour la French League. De ce fait, Papix, mais ainsi que Liven, Cactus et Avenco, les trois joueurs, sont à la recherche ici d'une nouvelle structure. Iris a été écarté de la prochaine équipe ainsi que l'analyste Aris. Donc les Game World nouvelle génération, on verra ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, il s'appelle Ex Game World, le temps de trouver une nouvelle structure. Concernant une deuxième équipe française, et la deuxième équipe française qui n'a pas su se maintenir en Challenger League, les CZJ ont, eux, de leur côté, une bonne nouvelle. On l'a dit, ils se sont qualifiés pour la Six French Challenger l'année dernière, et donc ils ont décidé de confirmer les arrivées d'Ozark et de Vegas après leur qualification pour la Six French Challenger. Donc ça va être intéressant de voir ce que donnera cette composition pour justement ce futur tournoi à élimination. Au Brésil, c'est la structure Elevate qui reste en Pro League. Elle s'est séparée du roster qui a été relégué en Challenger League pour recruter justement les Chicos Team qui eux ont réussi à se qualifier pour la Pro League. Donc c'est une triste nouvelle pour l'équipe de Mythi qui voit finalement leurs adversaires prendre et leur place en PL et leur structure. Mais voilà, les Elevate du coup qui resteront sur le devant de la scène pour la Pro League. Latamor sur le devant de la scène, voilà, dans le sens où ils appartiennent aux équipes de Pro League, puisque je pense pas que les Chicos Team soient favoris, bien évidemment, pour cette saison, en tout cas la saison qui devrait débuter en janvier. Et enfin, en APAC, grosse annonce chez les Fnatic. En effet, Rizraz arrête sa carrière de joueur, tandis que l'équipe se sépare également de Speka. Les deux joueurs sont remplacés par Mentalist, qui vous avez sûrement dû le voir puisqu'il jouait pour les Aerowolf lors des dernières finales de Pro League. Mais aussi le deuxième remplaçant, c'est Tex, un joueur australien du côté de l'équipe Sinister. A voir maintenant si cela permettra à l'équipe de se qualifier pour le Six Invitational, ce qui n'est toujours pas le cas, en sachant qu'il ne reste qu'une place pour la région et que ça va être chaud puisque les Norarengo non plus n'ont pas été qualifiés, ne sont toujours pas qualifiés pour le Six actuellement. Voilà, c'est tout pour les transferts. On passe maintenant aux résultats de la semaine. Le week-end dernier s'est déroulé deux championnats nationaux importants. On commence avec le Royaume-Uni et sans surprise, ce sont les Navi qui se sont imposés 2-0 en finale face au M&M Gaming. Victoire 7-2 sur Consulat, puis 7-3 sur Clubhouse. C'est donc leur troisième victoire d'affilée pour les Navi dans ce championnat. Clairement, c'est leur territoire, c'est chez eux. Pour le deuxième championnat européen dont on allait parler, c'est la Russie. Vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, c'était une belle finale entre Team Empire et Forze. Mais alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est Team Empire qui a fini par s'imposer. Et une large victoire, 3-0. 7-3 sur Coastline, 7-2 sur Club et 7-3 sur Border, il n'y a rien à dire, ils ont tout simplement atomisé cette équipe russe ici, qui n'est pas très en forme. On verra tout de même ce que ça donnera pour eux en Pro League, mais voilà, Team Empire qui montre sa suprématie en Russie, et je vous rappelle qu'il y a déjà aussi son slot pour pouvoir se qualifier pour le Six Invitational. Et enfin, pour finir ce R6 Recap, on enchaîne avec les qualifications pour la Six French Challenger qui continue, puisque je vous ai dit la semaine dernière, un qualifier chaque samedi. Et hier, ce sont les Vegasi qui se sont imposés en finale 7-2 face au NHJUI sur Border. Donc bravo à ces deux équipes, parce que même si NHJUI a perdu, on va dire, ici face au Vegasi en finale, ça reste une qualification pour la Six French Challenger. Ils ont perdu cette finale sur Border sur le score de 7-2. Il ne reste donc plus que deux qualifications pour 4 places. Voilà, c'est fini pour ce R6 Recap numéro 86. Je vous dis à la semaine prochaine encore pour plein de matchs d'e-sport, bien évidemment. Et puis, il y aura aussi le GAPIT le week-end prochain qui sera commenté, vous verrez, par deux casters annoncés très prochainement. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!